Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une guidance autour des énergies du moment, en tout cas par rapport à pas mal de domaines de vie. On verra bien ce que ça va sortir aujourd'hui dans les énergies. En tout cas, je vais coupler le travail avec, en tout cas, je vais travailler avec l'oracle de l'énergie que je vais coupler également avec pas mal d'autres supports. On verra bien. Entre-temps, je vous laisse penser à votre question. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. Surtout, on va découvrir la réponse vers la fin de cette vidéo. Je vous laisse vraiment réfléchir à votre situation, à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, mes amis, on verra bien. On démarre avec l'oracle de l'énergie, l'énergie principale. De quoi on veut bien vous parler aujourd'hui? Alors, on a la carte du cœur brisé ici qui peut me parler peut-être de séparation, de rupture. Ça peut également être le cas là où vous êtes face à une situation aujourd'hui difficile dans votre vie. Peut-être vous sortez effectivement d'une séparation, ça peut me parler d'un deuil. En tout cas, ici, on a l'énergie de vraiment de blessure du cœur. Peut-être on va parler de chagrin, on va parler également de tristesse concernant quelque chose. Peut-être que vous avez perdu ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans votre vie. Bien sûr, ça concerne pas tout le monde. Voilà, pour les personnes qui sont concernées par cette énergie, vous allez le comprendre hein, tout de suite. Ça peut être également une grosse déception hein, par rapport à quelque chose dans votre vie. Alors, c'est pas uniquement ou forcément en lien avec le sentimental. Hein, ça peut être pas mal d'autres choses dans la vie. Hein, d'accord? Alors, on a la tempérance, donc ça c'est bien. Alors, ce que je ressens dans ces cartes, déjà, on a trois arcanes majeures, hein, ça c'est très fort quand même. Alors ici, peut-être au premier plan, on va parler d'amour un peu, parce qu'on a quand même des cartes d'amour ici. Alors déjà, avec cette carte-là, on va parler de guérison. Donc moi, je pense que les énergies sont liées et elles se complètent hein, avec le tarot. Donc on va parler de guérison, on va parler d'un mieux-être par rapport à ces blessures du cœur ici. Alors peut-être il faut passer un peu une période de seul dans votre voilà par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, une période de célibat si on est vraiment dans une rupture, ou tout simplement une période dans laquelle vous allez vous retirer un peu, donc un travail d'introspection ici. Parce que voilà, avec ces deux cartes-là, c'est très clair, hein. On parle très bien d'un travail d'introspection, on se projette un peu dans l'avenir, on fait un bilan qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Alors peut-être certaines personnes vont reculer dans une affaire pour mieux avancer, d'accord? Peut-être il y a quelqu'un qui a décidé de prendre de la distance par rapport à vous, pas forcément pour une rupture définitive, mais tout simplement juste pour réfléchir et prendre une décision par rapport à la relation. Ça arrive, ça se passe tous les jours. D'accord? Et peut-être ça vous fait de la peine parce que vous ne voulez pas, voilà, être loin, hein, physiquement ou voire même émotionnellement parlant, l'un par rapport à l'autre. Mais cette personne, elle exige cette distance aujourd'hui parce qu'elle a besoin vraiment de mettre quelque chose au clair. D'accord? Bon, en tout cas, si ça vous parle, hein, si ça vous parle, ce que je vous dis, ne vous inquiétez pas parce qu'on a l'as de coupe, parce que pour moi, il s'agit quand même d'amour. Hein. Par contre, on a quelqu'un ici qui n'est pas très clair par rapport à ses projets. Et apparemment, peut-être que vous n'avancez pas avec le même rythme, d'accord? Et c'est peut-être, voilà, cette pause que vous avez du mal à accepter. L'autre personne, pour lui ou pour elle, elle est importante, d'accord? Donc, vous ne pouvez vraiment rien faire contre. Et peut-être, ça n'a rien à voir contre vous, mais peut-être tout simplement, cette personne, elle a besoin de cette distance juste pour réfléchir et pour savoir comment elle va procéder après. Par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe. Regardez d'ailleurs ici, on a dans le dos de deck hein, le page de coupe. Donc encore une fois, je pense ici, donc il y a de l'amour hein, certainement, mais je pense également vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Certainement, elle va vous contacter et peut-être d'ailleurs elle peut vous proposer quelque chose. Bah regardez, on fait pas exprès, hein, clairement. Regardez, je pense que c'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui a besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, clairement. Clairement, je vais les prendre ces cartes, hein, parce que ça, c'est très, très, très fort. Hein. Cette personne, pour moi, c'est très clair. C'est quelqu'un qui va prendre de la distance ou qui est en train de prendre de la distance aujourd'hui par rapport à vous. Après, pour combien de temps, ça dépend de chacun d'entre vous. Mais c'est une personne qui vous aime et c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Cette personne, elle a besoin juste, regardez l'ermite sur l'amoureux. Cette personne, elle a besoin de prendre une décision dans sa vie. Alors peut-être que on est dans une triangulaire et pour certaines personnes, eh ben, c'est tout à fait normal parce que eh ben, cette personne, elle a besoin de
trancher entre deux, donc soit vous et autre personne, pourquoi pas, hein, ça peut être ça finalement, hein, mais encore une fois, les énergies sont interchangeables, donc vous vous placez là où ça vous parle. Peut-être c'est vous ici qui prenez de la distance par rapport à cette personne ici de votre cœur, parce que c'est vous qui a besoin de trancher, hein, c'est vous qui avez besoin de trancher, d'accord? Alors, je pense également qu'il y a des blessures sur, peut-être qu'on a gardées pour soi, des blessures qu'on n'a pas eu le temps, qu'on n'a pas eu l'audacité de les partager avec l'autre. Donc, il y a quelque chose qu'on garde pour soi, c'est lourd, et ça a besoin, vous avez besoin de vous guérir par rapport à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites des efforts dans ce sens, c'est tout à fait possible, mais on voit très, très clairement ici, on a besoin de guérir quelque chose, d'accord? Peut-être ça remonte du passé, peut-être ça remonte à une expérience très récente, peut-être ça remonte à quelque chose que vous avez vécu avec cette même personne, mais on voit très bien qu'il y a quelque chose qui se travaille et c'est nécessaire de guérir, hein, ces blessures-là pour que vous puissiez avancer. Parce que ça peut être aussi un parmi les choses qui vous bloquent aujourd'hui dans votre évolution. C'est tout à fait possible. Alors, j'ai aussi de l'autre côté quelqu'un qui est en train de... En tout cas, on doit prendre une décision par rapport à une personne du passé. Alors là, je pars sur une autre, sur un autre scénario. Alors, on peut parler ici d'une guérison d'une relation. Hein, c'est tout à fait possible. On a peut-être une période de pause, une période de rupture au bout d'un moment et que là, on se prépare pour un retour. Peut-être vous, peut-être la personne de votre cœur. C'est elle qui se prépare pour le retour. En tout cas, là, on voit très clairement, il y a quelqu'un qui fait une offre. Qui avance, peut-être on déclenche un contact, on reprend un contact, on va initier quelque chose. Voilà, parce qu'on a envie de se retrouver, on a envie de partager cet amour. Hein. Alors, pour les personnes qui sont célibataires maintenant, on voit très bien ici qu'il est question d'une rencontre et clairement, on peut parler d'un amour avec un grand A, clairement. D'accord? Par contre, on voit très bien que vous travaillez sur vous ici, hein, c'est possible. Donc ça peut être également une continuité de votre énergie, clairement. Peut-être que vous pensez à quelqu'un que vous connaissez entre amis, hein, quelqu'un de particulier que vous aimez, que vous appréciez et que vous connaissiez entre amis, peut-être, en tant qu'ami pour vous. Et c'est peut-être ici, on peut parler d'une évolution, d'une relation amitié amoureuse. Hein, c'est tout à fait également possible avec les cartes que j'ai devant moi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ici également dans ce tirage? Donc, si je reviens un peu par rapport à la carte du cœur brisé, donc peut-être ça c'est une énergie du moment, peut-être ça c'est quelque chose que vous venez de vivre, mais on voit très bien l'évolution ici, vous allez partir vers quelque chose d'autre. Hein. Soit pour certaines personnes, vous allez rebondir avec une même personne, ou tout simplement, il y a une nouvelle histoire qui vous attend ici, hein, clairement. Vous voyez les cartes, hein. J'ai même pas besoin de les décrire, les cartes, parce qu'elles sont très 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 claires. Est très lucide. Hein, on parle bien ici de quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous apporte de l'amour, hein, clairement. Et peut-être d'ailleurs ici, c'est vous, hein, qui allez prendre une décision au bout d'un moment dans votre vie par rapport à ça. Voilà. Alors, je vais laisser de la place du coup pour le tirage avec le petit Lenormand. On va faire un tirage petit Lenormand. J'utilise le Golden Lenormand, hein, comme vous le savez. Alors j'attends également le caméra à ce que ça fasse un focus. Voilà. Alors on va faire une coupe. Alors, waouh, ok. Alors ici, ça peut me parler d'une sérénité de retrouver dans une relation, dans un couple, peut-être également entre frères et sœurs, d'accord? On peut également parler de le fait que vous allez recevoir tout simplement de bonnes nouvelles, d'accord? Quelque chose de très positif, de très favorable, peut-être concernant un projet, concernant des actions, concernant quelque chose que vous allez mettre en place dans votre vie. Alors ici également, ça va me parler de correspondance aussi. Hein. On peut parler de correspondance, de la communication qui se passe
essentiellement en ligne, peut-être, hein, entre vous et quelqu'un, dans le cadre de rencontres ou dans le cadre tout simplement, hein, de relationnel, d'une manière générale. Mais sinon, on peut parler, comme je viens de vous dire, d'un retour de la sérénité dans une relation. Voilà. Alors, on verra bien ce que ça va donner. Et puis après, on va faire un tirage sentimental. Alors, pour certaines personnes, vous attendiez effectivement des nouvelles. Des nouvelles qui tardent d'arriver, des nouvelles peut-être qui vous sentez que c'est bloqué, que ça n'arrive pas. Voilà. Je pense ici, ça tourne autour des nouvelles, ça tourne autour de quelque chose d'officiel que vous voulez recevoir. Peut-être aussi le retour de quelqu'un. Vous attendiez le retour de quelqu'un dans votre vie, le retour d'une communication avec quelqu'un en particulier. Mais aussi, ça peut être ici la visite. Hein, d'accord? Peut-être pour certaines personnes, vous attendiez la visite de quelqu'un et. Voilà, ça peut être annulé, reporté. Peut-être il y a des blocages autour de ce voyage, autour de ce déplacement. À moins que vous, hein, c'est possible aussi pour certaines personnes, c'est vous qui allez devoir faire un déplacement ou un voyage ou rendre visite à quelqu'un, mais ça peut être retardé ou bloqué pour des raisons peut-être que vous ignorez. D'accord? Alors après, peut-être également, vous allez apprendre peut-être des nouvelles concernant une rupture, concernant une annulation, la fin de quelque chose. Par exemple, j'en sais pas, ça peut être positive ou négative, hein, d'accord, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que ça concerne quelque chose par rapport auquel vous n'êtes pas au clair. Il y a une situation qui est très, très ambiguë, d'accord, et par rapport à ça, vous allez recevoir la fin de quelque chose. Donc peut-être vous allez recevoir la fin des nouvelles concernant la fin d'un procès, la fin peut-être d'une relation aussi, parce que comme je vous dis, hein, ça peut partir dans les deux sens, on verra bien avec la continuité des cartes. Mais c'est comme ça que je les ressens ici. Hein. Après, pour d'autres personnes, vous allez certainement recevoir des nouvelles concernant un ex et une ex. Hein, d'accord? Donc des nouvelles carrément de votre passé. Alors, ça peut être ici une possible révélation par rapport à un secret. Là, il y a clairement quelqu'un qui fait l'effort ou qui fait beaucoup d'efforts vraiment pour garder quelque chose discrètement. D'accord? En fait, tout ce qu'on peut pour ne pas révéler un secret. Et peut-être vous allez comprendre quelque chose autour de ça. Alors, c'est peut-être pas forcément la révélation, mais possible que vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui cache quelque chose et qui veut tout faire pour le garder. Hein. Ça peut être un secret autour de l'argent, ça peut être un secret autour d'un procès, autour de quelque chose d'administratif, autour d'une relation, autour de n'importe quelle chose. Mais en tout cas, c'est très clair qu'on n'a pas envie de la révéler, cette chose, hein, d'accord? Alors après, on peut également vous apprendre la fin des études de quelqu'un, la fin peut-être des démarches par rapport à quelque chose qui n'a pas été peut-être facile à mener. Ça peut être également la fin peut-être d'une formation aussi, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose qui prend une fin et on peut vous l'annoncer à moins que vous allez l'annoncer à quelqu'un d'autre, d'accord? Mais là, j'ai clairement beaucoup de cartes qui me parlent du passé. Hein. Je ne vais pas vous mentir, mais j'ai vraiment beaucoup de messages concernant un retour du passé, concernant quelqu'un qui veut bien tenter sa seconde chance. Et peut-être vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez pas pu comprendre avant, parce que forcément, on a voulu le garder secrètement. D'accord? Je vais rajouter d'autres cartes ici sur ces deux derniers, sur le cercueil et le livre. Regardez. Ça concerne le cœur, ça concerne une relation. Je vais pas me répéter, mais certainement ça tourne autour d'un retour, mais aussi ça peut tourner autour d'une relation hein, que vous allez apprendre des nouvelles par rapport à elle. Hein, cette relation, ça peut ne pas vous concerner à vous directement. Peut-être ça concerne un ami, un enfant, un voisin, quelqu'un qui est très proche, mais vous pouvez apprendre de nouvelles par rapport à quelqu'un qui se sépare et peut-être la possibilité d'un retour hein, par rapport à cette personne. D'accord? Alors, donc je vais passer tout de suite au tirage sentimental. On verra bien ce que ça va donner.
Alors, j'utilise mon oracle, Elite Oracle. Donc, pour toute personne qui veut acheter l'oracle, vous avez toujours le lien vers la boutique en ligne en barre d'infos. Alors, mes amis, on va voir ce que ça va donner concernant l'amour. Alors, on a l'équilibre, la stabilité, ça c'est pas mal. Peut-être d'ailleurs un retour à la stabilité, hein, concernant une situation par rapport à un couple. Regardez, on a bien l'énergie de la réconciliation, hein. Je l'ai senti en fait dès le début du tirage aujourd'hui. La réconciliation, le compromis, l'accord. Hein. Oui, parce que voilà. Parce qu'il y avait quelque chose qui perturbait la relation, peut-être également la présence d'une autre personne, quelqu'un qui interfère peut-être. Hein. Regardez, franchement, là, c'est très fort. Très, très, très fort. Je me rends compte qu'au dos du deck, on a la carte de la tierce. Là, je disais en fait une interférence parce que j'ai vu la carte de l'intrigue, hein, des intrigues ici, qui peuvent en certains cas parler de quelqu'un, d'un ennemi, d'une autre personne. Et là, c'est confirmé avec la tierce. Donc moi, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a osé vraiment se mêler de vos affaires et peut-être mener de la zizanie dans votre relation, dans votre couple. Et ça, au bout d'un moment, ça a pu jouer sur la stabilité de cette relation. D'accord? Mais moi, je pense que votre relation, elle est forte. Elle est forte, elle va tenir. Et c'est pour ça que vous allez revenir, en fait. C'est pour ça que vous allez vous réconcilier. Je vais tirer la dernière carte. Regardez, on a la famille. Alors, pour moi, je pense qu'il y a un lien qui est très, très, très fort entre vous deux. Peut-être vous êtes une famille. Peut-être vous voulez ou vous avez des projets de famille ensemble que vous ne voulez pas abandonner. Il y a quelque chose qui a de l'importance pour vous. C'est une relation, pour moi, qui aura un potentiel, tout simplement, de durer dans le temps. Et elle va durer dans le temps. En tout cas, cette personne-là, cette interférence, c'est pas elle qui va causer la fin de cette relation. Hein, ça, c'est très clair. D'accord? Moi, je pense que votre relation, elle est très forte, elle est très solide et elle peut survivre ce coup-là et elle va le survivre. Donc, si vous avez aujourd'hui quelqu'un qui interfère dans la relation et qui a causé beaucoup, beaucoup de problèmes, d'accord, qui a causé peut-être beaucoup d'ennuis par rapport à votre relation, sachez que là, vous allez rebondir clairement. D'accord? Et moi, je pense que ça, c'est grâce à l'amour que vous avez l'un pour l'autre, grâce à la passion que vous avez l'un pour l'autre, grâce aussi au projet que. Enfin, qui sont très importants pour vous, mais aussi pour votre autre. Moi, je pense que c'est une énergie que vous partagez clairement, d'accord? Parce qu'en général, pour se réconcilier, ça prend deux. Donc, il faut que ça vienne des deux personnes pour que ça tienne. Hein, et là, ici, regardez, on parle bien de la stabilité, hein, au fond de votre tirage. Bon, il y a quelque chose peut-être tout simplement. Les cartes là aussi, elles vous mettent en garde hein, par rapport à quelqu'un de particulier d'ailleurs. Hein. Peut-être d'ailleurs, vous sentez, hein, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui pose un risque, qui pose un danger, qui pose une menace hein, à votre couple, à votre relation. Et vous voulez tout simplement tout faire hein, pour protéger la relation, ce qui est tout à fait possible. Alors ici, la nouveauté, voilà, c'est un nouveau départ, hein, c'est un nouveau cycle. Dans la relation. Peut-être aujourd'hui vous avez des peurs ou vous avez eu des peurs, hein, voilà, parce que vous ne voulez pas perdre votre partenaire, la relation que vous avez pu construire, hein, avec cette personne. Mais regardez, vous allez réussir, hein, vous allez réussir le coup et c'est ce que je disais là. Donc très clair ici, on se prépare pour de la nouveauté. On se prépare pour un nouveau cycle, hein. C'est une deuxième chance, c'est une seconde chance. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous allez neutraliser ce danger-là qui peut hein, clairement se présenter en tant qu'une personne, hein, une tierce personne, quelqu'un qui interfère, quelqu'un peut-être également de la famille, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être ça aussi. C'est pas forcément quelqu'un d'extérieur, mais tout à fait possible, c'est quelqu'un que vous connaissez. D'accord? Donc voilà, tenez-vous bon, parce que là, c'est très clair ici qu'on a la possibilité d'une réconciliation. D'accord? Alors, on va voir du coup les questions. On va prendre les questions. Alors, je vous laisse réfléchir à votre question, à votre situation, et je vais préparer tout de suite devant vous les réponses. Donc, on va faire trois tas. Vous choisissez entre le chiffre 1, 2 ou 3 pour recevoir la réponse à vos questions. J'aime bien vraiment avoir cette partie d'interaction avec vous
Et aussi, ça peut vous permettre hein, d'avoir des réponses de l'univers comme ça, par rapport à des questions que vous posez d'une manière fermée, donc des questions fermées, des questions par rapport auxquelles peut-être des fois on a juste envie de savoir si oui ou non, d'accord? Ou peut-être hein, ça peut également vous donner des indications hein, pour des solutions aussi, des fois. Vous pouvez également poser des questions du temps, hein, d'accord? Parce qu'on a aussi des cartes qui sont en rapport avec le temps. Donc voilà mes amis, 1, 2 ou 3. Allez, on va découvrir premièrement la réponse pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Bien sûr, si vous avez besoin du temps, n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo. Alors, on vous parle ici de rétablissement, d'un mieux-être, d'une amélioration positive. Alors, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, on vous dit repensez-y. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, on vous dit agissez. Voilà mes amis donc pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des pouces bleus. Ça me fait énormément plaisir. Je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Au revoir.